C'est pas par là, les gars, vous cherchez les vestiaires ? Pour les joueurs du H, ce hall XXL est une totale découverte. Ce premier entraînement leur permet de trouver leur marque dans une enceinte bâtie pour les records. Le nouvel écrin du Hand Nantais fait l'unanimité auprès des handballeurs. La salle, on la découvre là, franchement, c'est vraiment chouette. On espère un grand soutien de nos supporters et qu'il y ait une grosse ambiance parce que je pense que ça, un match comme ça, c'est ce que ça mérite. Ouais, là, c'est super bien, je crois. C'est une super salle et on a hâte de jouer ici devant plus de 9000 personnes. C'est une soirée très belle pour l'Hand Nantais. Si tout le monde nous encourage, ça va être super bien. Pour un tel événement, la débauche d'énergie n'est pas que sur le terrain. Avant, pendant et après la rencontre, 180 bénévoles s'activeront dans les tribunes et en coulisses. La mission, c'est essentiellement du placement et de l'accueil, puisque le public va arriver dans une nouvelle salle qu'il ne connaît pas. Et on veut que ça se passe très correctement. Donc on a ouvert les portes plus tôt, on fait des cheminements très balisés et les bénévoles sont là pour avoir le sourire, pour accueillir nos spectateurs. Les bénévoles peuvent l'avoir, le sourire. Ce record, ce sera aussi le leur. C'est pas le tout de battre le record du nombre de spectateurs, mais il faut absolument qu'on fasse un beau match et un boucan d'enfer. L'ambiance, c'est la mission des spectateurs. Côté terrain, il ne reste plus qu'une chose à faire pour que la fête soit totale, transformer ce record en victoire.